Bien que la plupart des célébrités travaillent fort pour leur argent et leur succès, d'autres reçoivent tout sur un plateau d'argent. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des célébrités connues pour aucune bonne raison. How much does each implant weigh? They weigh about 3 pounds each. And what size are the implants? 650 cc's. Dans cette liste, nous allons présenter des célébrités devenues connues sans avoir rien fait d'important pour le mériter, du moins à l'origine. Nous excluons les célébrités détestées par un grand nombre, comme Justin Bieber, car même s'il vous répugne, sa célébrité est compréhensible et justifiée. Numéro 10, Bristol Palin. My name is Bristol Palin. I'm a public advocate for teen pregnancy prevention, but most people know me as the daughter of former vice presidential nominee Sarah Palin. Être la fille d'une candidate à la vice-présidence risque de vous amener une certaine reconnaissance, mais pas au niveau de celle que Bristol a reçue. While Christians bow our heads to pray for you, radical Islamists want to cut off your head. Durant l'élection présidentielle de 2008, on apprit que Bristol, la fille de Sarah Palin, était enceinte hors mariage à l'âge de 17 ans. She's been seen at campaign events in the last few days, holding her baby brother Trigg. What we didn't know then, she's 5 months pregnant. S'ensuivit une couverture médiatique intense qui mena à son éventuelle célébrité. Elle est apparue depuis dans Dancing with the Stars, dans une télé-réalité sur elle-même nommée Lifetime, et a aussi écrit ses mémoires. If you say that one more time, you're gonna get soap in your mouth. Got it? You think you're f***ing? Palin vit présentement en Alaska suite à sa séparation d'avec le père de l'enfant, pour une deuxième fois. Bristol's relationship with Levi is still tumultuous. In the book, she refers to Levi, who was the father of her two-year-old son, Tripp, as the gnat, who is, quote, constantly spreading false accusations about our family. Numéro 9, Teresa Giudice. You f***ing stupid bitch! La révélation de The Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice est surtout reconnue pour son mode de vie extravagant. Looks delicious. Smells delicious. Elle a aussi écrit 3 livres de cuisine et est apparue à The Celebrity Apprentice. Mais c'est son train de vie opulent qui a attiré toute l'attention. Teresa Giudice is facing drama of a much more serious variety. She and her husband Joe are looking at possible jail time after pleading guilty to charges of fraud. Ses agissements excessifs prirent fin le 5 janvier 2015, quand elle entama une peine de prison de 15 mois pour fraude bancaire, postale électronique et de faillite. Toute bonne chose a une fin. When I say it like that, I mean like, I was saying it like, I mean, I understand now fully, like, you know, in black and white, I understand. But when I was saying that, meaning like, I never really, I meant like, how could, you know, like I did never hurt anyone. Numéro 8, Heidi Montag et Spencer Pratt. Ce super couple de célébrités, aussi appelé Spidey, a fait le tour d'Internet au milieu des années 2000, quand ils sont apparus ensemble à The Hills, une chronique de la vie quotidienne de femmes de Los Angeles. You started a sick little rumor about me. I didn't start any rumor. Really? Nothing? No. You're sad about it. Ils ont créé beaucoup de remous dans l'émission quand leur relation a entraîné des conflits entre Montag et sa colocataire Lauren Conrad, au point où les deux se sont fait sortir à cause de leur comportement imprévisible. So I really do. I want to forgive you. And I want to forget you. En effet, ils sont célèbres pour déclencher des drames d'adolescents. Yeah.
la mauvaise réputation de Heidi grandit encore plus, comme certaines autres de ses parties, lorsqu'elle reçut 10 chirurgies plastiques en une journée. Do you regret getting your implants? Yeah, I do regret getting the implants. I wasn't warned by my doctor at all about back problems, about the repercussions. Et depuis, le couple a réussi à rester sous les projecteurs en tant que finaliste à Celebrity Big Brother. Nothing has changed. They continue to hate us. Now they know that we still hate them back, so... No, we don't hate them. That, I don't even think that's right. I hate them. Numéro 7, Kate Gosselin. John and Kate Gosselin never imagined they'd be the proud parents of 5-year-old twin girls and 16-month-old sextuplets. Gosselin est devenue célèbre internationalement quand son mari, ses enfants et elle sont apparus à John and Kate plus 8, une télé-réalité qui suit le couple essayant d'élever ses 8 enfants. It was a lot of stress, but I held a handle on it, unlike sometimes. We did it. C'est littéralement ça qui l'a rendu célèbre, élever beaucoup d'enfants à la télé. Et même s'il faut admettre que ça semble beaucoup de travail, ce n'est pas ce qui l'a gardé connu. Our marriage fell apart and I felt like I was free. L'histoire ne se termine pas bien. John et Kate ont divorcé depuis, et Kate, toujours en recherche d'attention, s'est essayée sur d'autres télé-réalités comme Dancing with the Stars et Celebrity Apprentice. Elle fut éliminée dans les deux cas après avoir été grandement critiquée. You turned it into a nightmare. I'm darling. I know you're not a performer, but you go kind of through the motion like a stepford wife. Gosselin ne peut tout simplement pas prendre de pause. Kate, you're fired. Numéro 6, Nicole Snooki Polizzi. Snooki est devenue célèbre en 2009 quand elle est apparue à la télé-réalité Jersey Shore, qui suit une bande de Guido et de Guidette faire la fête et agir comme des idiots. Sérieusement, un d'eux s'appelle The Situation. What is harder than would you say that dancing doing the Dancing with the Stars or childbirth, which is harder? Oh, definitely Dancing with the Stars. Because childbirth, I didn't really feel anything, because I got the epidural, so everything was just ice cold down there. Bien que sa toque bouffante semble s'être assagie avec un mari et des enfants, sa célébrité est venue de son mode de vie fêtard et sa peau orange. À un certain point, elle était payée $150,000 par épisode de Jersey Shore, un salaire durement gagné à fêter et à parler dans le dos de ses amis. Où puis-je m'inscrire? I look like a dirty little hamster. Oh, no! No, the only thing that sucks is I wish I showered and, like, washed my face. Like, I didn't do any of that, so I just wish I... showered her. I wish I looked cleaner. Numéro 5, Alaina Honey Boo Boo Thompson. Can we start now? Star de l'émission Here Comes Honey Boo Boo sur TLC, Alaina Thompson, aussi appelée Honey Boo Boo, est devenue célèbre en participant au concours de beauté pour enfants Toddlers and Tiara, pour ensuite avoir sa propre émission. Go-Go Juice makes me laughy and play, and it makes me feel like I want to pull my mommy's hair. Honey Boo Boo suit Alaina et sa famille, souvent critiquée comme étant des rednecks dégoûtants et constamment parodiés de la sorte. We got glitches from a place called Posh Pig and they put up their feet before sending them off with painted toenails and all. Ayant commencé sa carrière de télé à 6 ans, Alaina est devenue célèbre tout simplement parce qu'elle était le produit d'une famille particulièrement divertissante. Divertissante de manière grossière. Mais soyons honnêtes, elle n'est pas vraiment un ange non plus. Numéro 4, Amber Rose. Certes, Rose a sorti plusieurs chansons médiocres au cours des années et a produit quelques accessoires de mode, mais sa célébrité découle d'une seule chose, ses relations avec des chanteurs de rap. Elle a fréquenté Kanye West de 2008 à 2010, causant une intense couverture médiatique. Après leur rupture,
elle fréquenta le chanteur Wiz Khalifa pour éventuellement le marier. Are you going to be on the album? Are you on the features on there somewhere? I'm not on this album. No, I was on the last one though. Yeah, not this time. Mais leurs chemins se sont depuis séparés. Both of them claim the other one cheated. Si vous ne pouvez pas devenir célèbre avec la mode ou vos chansons, fréquenter une célébrité peut certainement vous amener de la notoriété. Is it like a football player or is it a basketball player? Either way, he does something with his balls. Numéro 3, Farrah Abraham. So, yeah, when you're just saying, "Oh, Farrah, you like purposely were drinking and driving." No, I wasn't purposely. I wasn't trying. Si vous pouvez simplement être payé pour être une mère adolescente, pourquoi plus de filles ne le font pas? Eh bien, nous allons vous le dire. Abraham s'est d'abord fait un nom en 2009 quand elle est apparue à la télé-réalité 16 and Pregnant. I'm so sorry, everyone has to look at my crotch right now. I am so sorry about that. Et plus tard, elle joua dans les 4 saisons de Teen Mom. Hey, I'm Farrah. Sophia, did you poo-poo? It kind of smells like you did. Des émissions qui suivent les vies de mères adolescentes. Hey, mommy's gonna, you know, try to pluck your eyebrows because there's a little bit too much hair there. But when the wax didn't work, she waited till Sophia fell asleep and plucked her brows. Comme si sa renommée n'était pas assez ridicule comme ça, sa notoriété a grandi quand elle a produit une sex tape nommée Farrah Superstar Backdoor Teen Mom et vendue à 1,5 million de dollars. Reste classe, Farrah. Why a sex tape? I have no relationships and I'm like sad sometimes. Numéro 2, Paris Hilton. Meet Paris Hilton. Model. Jet-setter. Target of the tabloids. Paris est la petite fille de Conrad Hilton, fondateur de la célèbre chaîne d'hôtels Hilton. On pourrait donc affirmer qu'elle a eu une entrée gratuite vers une vie d'opulence. Après avoir débuté comme mannequin et vedette de la sextape One Night in Paris, elle est apparue à la télé-réalité condescendante The Simple Life avec son amie Nicole Richie où elle peine à accomplir des tâches manuelles. Punch yourself in on the floor. Like that? No, you gotta. You have to turn it around. Have you ever clocked in anywhere before? No. Have you ever had a real job? No. Okay. Certes, elle a eu des rôles dans des films, mais qui les a réellement vus? Les critiques l'ont décrite comme une célébutante, l'enfant d'une famille riche qui reçoit énormément d'attention sans rien faire pour la mériter. Ça semble juste. Avant de rendre notre premier choix encore plus célèbre, voici quelques mentions honorables. What's your relationship like now? It's good. I mean, I can't say that I see her all the time, but I mean, we're very cordial to each other. I mean, we talk, we do everything we can for the kids and you know. All 14 of your children are by the same man. Yeah. Now, was that traditional sex for the first 6? No. Oh. I know. No. I've been celibate for 13 years. You've been celibate for 13 years. As well, you should, young lady. He's the former star of Monster Garage. Yeah. We could get tricked, but we can't, like, out-trick ourselves. But even more famous as the husband who cheated on Sandra Bullock. That was the launch for our divorce. Dina had a choice from her family. Either it was me or her family. And she chose her family, and that broke Lindsay's heart. Numéro 1. Kim Kardashian. The only thing I think will make me feel better is shopping. 42 carats, $1.2 million. That's not so bad. Wow. Would I be pathetic if I bought this for myself? Kardashian a comme père un célèbre avocat de la défense et comme beau-père un médaillé d'or aux Olympiques. Comment est-elle devenue célèbre? En jouant dans une sextape et en exploitant son attitude d'enfant gâté, naturellement. My mom is trying to kick me out of her house. Courtney and Chloe are ganging up on me again and always picking on me. I mean, what did I do to anyone? Kardashian a misé avec brio sur un rôle principal dans la télé-réalité Keeping Up with the Kardashians, qui l'a propulsée vers la célébrité. Elle a fait encore plus les manchettes quand elle a divorcé du joueur de basketball Chris Humphries après seulement 72 jours de mariage. Every paper this morning talking about it, big blank sham on the New York Post, not being so kind. Son mariage avec Kanye West a consolidé son statut de célébrité connue pour aucune bonne raison.
Au moins, elle sait rire d'elle-même. Data you paid for that could be used to see my makeup, my backhand, my outfits, my vacations, and my outfits. Sadly, all lost. Please, help save the data. Êtes-vous d'accord avec cette liste? Obviously, it wasn't used effectively. D'après vous, quelles célébrités sont connues pour aucune bonne raison? If they're not going to support me and have a good time, then I don't want them in my life. Pour plus de top 10 agréables publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à watchmojo.com. Oui.